Bonjour, elle s'appelle Marie-Rose, elle a 43 ans, elle joue au foot à Couffé, 18 ans de passion pour le ballon rond. Marie-Rose a même décidé d'entraîner les jeunes filles. Elle souhaite créer à Couffé en septembre prochain une équipe féminine chez les plus jeunes. C'est pas un sport de mec, je veux dire, c'est un sport de... Quand on le fait entre filles, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand je vois la mixité à l'heure actuelle, justement, je pense que il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce que c'est compliqué quand même niveau physique, niveau... Quand elles sont jeunes encore, ça va. À cet âge-là, je vois à 10 ans, ça va encore. Mais le problème, c'est qu'arriver à 13-14 ans... De toute façon, après, à 15 ans, elles sont plus droites de jouer en mixité. Puis même, en plus, quand t'es une fille, souvent les mecs, c'est une fille, j'y passerai pas le ballon. C'est pour ça que les jeunes filles, justement, je suis venue faire les entraînements pour les plus petites, les plus jeunes, parce qu'il y avait pas mal de filles qui jouaient plus en club parce qu'elles voulaient plus jouer avec les garçons. Et résultat, les filles, elles ont arrêté, ou elles veulent arrêter, comme certaines que j'ai récupérées là. Alors je me suis dit, autant faire un entraînement, elles s'éclatent, les filles. Et en plus, elles sont entre elles, et je pense que l'année prochaine, si on peut faire une équipe, elles attendent que ça pour jouer entre filles. Par contre, on jouera contre les garçons. Oui, parce qu'on n'a pas d'équipe de filles de cet âge-là. 10, 12, 10, ouais, c'est une catégorie. Je fais 9-11 ans. L'idéal, elles sont 7 sur le terrain. C'est-à-dire l'idéal, ça serait 10-12 filles, 12 filles. Mais là, pour l'instant, j'en ai déjà pratiquement sûr 7, je dirais. Oui. Que d'ici, je pense que d'ici le mois de septembre, il y en aura d'autres qui... Parce qu'il y en a des petites qui ne veulent pas lâcher avec les garçons. Mais quand je vois comment elles prennent du plaisir à jouer entre filles, d'ici le mois de septembre, peut-être qu'elles changeront de vie, à mon avis. Là, moi, j'ai commencé avec les jeunes filles. J'ai commencé en salle, ça fait 3 semaines. Et là, vraiment, elles sont reparties, elles m'ont dit « on revient sans problème, on s'éclate bien plus qu'avec les garçons ». En plus, il y a l'ambiance qui fait aussi qu'entre filles, elles ne sont pas toutes seules dans le vestiaire. Avec les garçons, c'est ce qui se passe, c'est qu'elles sont toutes seules dans le vestiaire. Puis sympathiser avec les garçons, c'est pas toujours facile non plus. Parce qu'on aime ça, et c'est notre passion, quoi. Ouais, voilà. C'est pas un sport de mec à la base, les idées reçues, tout le monde s'est dit ça. Justement, c'est un sport, c'est un sport mix. Ouais. Tout le monde dit, c'est des filles, on va gagner, mais des fois les gars ils perdent et après ils pleurent, donc c'est marrant de les voir pleurer parce qu'ils ont perdu. Ouais. Les jeunes filles intéressées peuvent venir participer à un entraînement entre filles le mercredi entre 17h et 19h au terrain de la Roche à Couffé.